À Rimatara, le Hura prospère. Les habitants de Rimatara ont toujours honoré cet oiseau sacré et participent à sa protection. En 1900, la reine Heimataura Tamaeva, cinquième du nom et dernière reine de la Polynésie française, a protégé les Hura en déclarant un tabou officiel. Ce tabou protégeait alors les belles perruches de l'exploitation de leurs plumes qui subissaient une forte exportation sur l'île de Tahiti. L'objectif principal était de protéger les Hura afin qu'ils puissent se reproduire et vivre pour toujours. Plus d'un siècle plus tard, après la création de ce tabou, la reine de l'île voisine de Atiu, située aux îles Cook, a effectué un voyage sur Rimatara pour demander l'autorisation à ramener avec elle quelques spécimens de Hura sur son île où ils existaient auparavant. Les habitants de Rimatara ont accepté cette demande afin d'étendre la population de ces oiseaux. Ainsi, le 27 avril 2007, 27 Hura ont été transférés de Rimatara à Atiu, aux îles Cook. Le projet de translocation a été coordonné par la Société d'ornithologie de Polynésie, appelée aussi SOPMANO. Comme à Rimatara, le rat noir n'est pas présent sur Atiu.